Créateur des cieux et de la terre. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Nous te disons grand merci pour cette réunion ce matin, parce que tu es avec nous. Comme tu l'avais dit quand tu étais sur terre, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous sommes très contents, nous sommes très fiers. Nous avons confiance en ta parole chaque jour, parce que tu as été toujours avec nous. Je remets entre tes sept mains ton serviteur, Papa Thomas, que tu choisis chaque jour pour nous nourrir de ta parole. Que ton esprit le guide du début jusqu'à la fin. Je remets cette assemblée qui se poumonne, qui se sacrifie chaque jour pour venir t'écouter à travers ton serviteur. Sois avec nous tous. Tout ce que nous allons apprendre, faites que tu nous donnes la force pour que nous puissions le mettre en pratique pour et pour notre vie. C'est ça la grâce que nous te demandons avec foi. Au nom de Jésus, amen. Tout au long de cette semaine, nakati na poso mobimba, nous avons appris d'autres leçons du maître enseignant. Ce maître enseignant n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui qui est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et notre verset principal était dans le livre de Marc. Chapitre 10. Et lorsque nous avons lu ces différents versets, nous avons compris que le Seigneur doit être en centre de nos activités. Nous étions en train de réfléchir sur cet aveugle qui était au bord de la route. Et le verset 52 nous a dit, et Jésus lui dit, va, kende, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Mais aujourd'hui, je voudrais conclure cette semaine à 10 ans. Restons au bord du chemin de Jésus. Amen. Restons au bord du chemin de Jésus. Lorsque je réfléchissais sur cette manière de cet aveugle, de comprendre qu'il faut qu'il soit sur le chemin de Jésus afin de trouver solution à son problème, je me suis rendu compte que plusieurs fois nous n'avons pas réussi solution à nos problèmes parce que nous ne nous sommes pas retrouvés sur le chemin de Jésus. Mais tant que nous serons sur le chemin de Jésus et que nous crions à ce maître par excellence, il va nous écouter. Amen. Et il va résoudre nos problèmes. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Amen. Si Jésus est venu sur cette terre, c'est à cause de toi et moi, pour qu'il puisse apporter solution à ton problème et à mon problème. Lorsque tu as difficultés, tu as le droit d'appeler secours auprès de celui qui dit je suis venu apporter la vie. Ta vie est menacée, ta santé est menacée, ton savoir-faire est menacé, ton foyer est menacé, ton travail est menacé, tes semblables sont menacés, l'église est menacée. Le secours. Lisungi.
eza kaka pene na Yesu Kristo. Alors parce que c'est auprès de Jésus Christ, pour le quoi eza pene na Yesu, est-ce que nous sommes rassurés? Biso penza tondi misami, que là où nous sommes, et sika tozali, nous sommes à bon endroit, et tozali sika malam. C'est ça la plus grande difficulté. Yango ne koko swa koleka. Demandez à Dieu de te montrer sur réellement tu es sur le bon endroit. Si tu n'es pas sur le bon endroit, demandons au Seigneur de te remettre sur le bon endroit. Et tant que tu seras sur le bon endroit, non seulement Jésus-Christ va te voir, mais toutes les fois que tu vas crier, il va faire quoi? Beaucoup de gens, ils sont loin de Jésus-Christ au point que lorsqu'ils sont en train de crier, excusez-moi, parce que Jésus c'est pour ça, Dieu c'est pour ça, hein? Vous allez dire que comment moi je vais crier Jésus ne va pas m'attendre. Nous sommes dans le spirituel, c'est-à-dire lorsque Jésus n'attend pas, c'est-à-dire que ton spirituel a des problèmes, tu es déjà, éloigné de lui. Et lorsque tu es loin, même si tu vas crier, va pas attendre. Dans notre vie de chaque jour, soyons rassurés que nous sommes au bon endroit. Amen. Et lorsque nous sommes au bon endroit, même avant de crier, il va nous voir. Ah, akomona yo. I would, ah, celui-là c'est elle. Alaba, wana ah, celui-là c'est elle. Ah, celui-là c'est elle. Oh, wana parce que il nous voit. Azomona biso. Excusez-moi, nous étions hier dans les consultations. Consultation. On était avec le président de la République. Pendant que nous étions assis, il était assis à un endroit où il devait voir tout le monde. Ou lorsque il parle, il voit tout le monde. Ou lorsque il parle, nous aussi nous le voyons nous tous. Jésus-Christ, lui, il est déjà au bon endroit. Pour que lorsqu'il nous parle, il nous donne la possibilité pour que nous puissions l'attendre. Mais ce que nous avons accepté de son bon endroit, lorsqu'il va parler, nous pouvons l'écouter. Est-ce que nous avons occupé un bon endroit lorsque nous allons parler, qu'il puisse aussi nous écouter, qu'il puisse comprendre notre souci? Frères et sœurs, Jésus-Christ est notre maître par excellence. Amen. Jésus-Christ est qui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il fait par tous les moyens pour nous mettre dans un bon endroit, où lorsqu'il va passer, qu'il puisse nous voir, qu'il puisse nous parler, et que nous puissions nous exprimer devant lui, pour dire ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions toujours rester au bon endroit. Lorsque nous avons des problèmes, crions fort, crions fort à l'Éternel, il nous attendra parce que nous sommes au bon endroit. Les promesses que Dieu nous donne dans sa parole sont des leçons qui nous encouragent à suivre le maître enseignant qui est le seul secours de nos âmes. Amen. Pourquoi nous devons continuer à avoir des soucis? Parce que nous-mêmes, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas au bon endroit. Jésus-Christ va nous voir. Mais lorsque tu veux parler à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Être près de lui, pour que lorsque vous êtes en train de lui parler, qu'il puisse non seulement vous voir, mais aussi vous écouter. Et aujourd'hui nous manquons la foi parce que nous savons que nous-mêmes nous sommes près de lui. Nous-mêmes nous sommes écartés de lui. J'ai aimé ce comportement parce que vous savez que c'est une grâce d'avoir Jésus-Christ comme notre maître. Amen. Enseignant, et comme avocat par excellence. Et
l'aveugle, quand vous lisez au verset 53, nous sommes dans Marc chapitre 10. Le verset 53 dit, ici, c'est lorsque l'aveugle est déjà guéri. Et aussitôt, il recouvra la vie. Et il fait quoi? Il suivit Jésus. Nous avons reçu solution à nos problèmes. Lorsque nous avons crié, nous étions au bon endroit. Jésus-Christ nous a vu. Jésus-Christ a apporté solution à nos problèmes. Il nous a attendus. Mais lorsque nous avons reçu satisfaction parce que Jésus a répondu, au lieu de les suivre, nous sommes restés dans la distraction. Comme si la guerre était terminée. Non. Restez à côté de celui qui combat pour amen. Toi. Amen. Parce que si tu n'es pas à côté de celui qui combat pour toi, lorsque l'ennemi va constater que tu viens de recevoir les bénédictions de la part de l'éternel, lui viendra pour faire quoi? Pour te ravir. Mais nous devons toujours rester à côté du maître, à côté de l'enseignant. Cet aveugle, lorsqu'il a constaté qu'il a vu, qu'est-ce qu'il pouvait encore faire? Il a dit non. Je dois suivre celui qui m'a donné la vie. Amen. Toi aussi aujourd'hui, je te demande une chose. Suivez Jésus. Landa Yesu. Celui qui est prêt à te donner la vie. Oh, il est avec toi. Et parce qu'il a fait des grandes choses pour toi. C'est grâce à lui que tu as servi. Que tu as dit de respirer. Parce que ce sont les vivants qui glorifient Dieu. Sois avec lui. Suis Jésus-Christ. Landa Yesu Christo. Ne sois pas comme Adam et Eve, qui au lieu d'être au bon endroit, Jacob doit être au bon endroit. Il a préféré faire quoi? Oui. Akima. Mais soit comme cette femme païenne, qui lorsque on était en train de dire que toi tu n'as pas droit, il a dit oui, mais au moins je peux quand même manger les miettes qui vont tomber. Mais monsieur, les tapés veulent dire que toi tu n'as pas droit. Mais je te dis que tu peux encore ramasser les miettes qui vont descendre de la table où Jésus-Christ est en train de mon frère Marcel, nous en avons droit. Nous devons être rassurés que nous aussi nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Lorsque les gens vont dire oh non, toi tu n'as pas droit, tu vas dire avec les maîtres, il m'a autorisé que moi aussi j'ai le droit à la vie. J'ai le droit de manger trois fois par jour. J'ai le droit d'être bien vêtu. J'ai le droit de demeurer dans une bonne vie. J'ai le droit d'avoir une famille. J'ai le droit d'hériter la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Nakombona Yesu. Amen. Amen. Zéro debout. Togotelema de Colo. Et nous allons chanter. De Tokoyemba. Jésus doux maître. Jésus doux maître. Règne sur moi. Soumets mon être. Sois-en le roi. Je suis la vie. Toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Éternel des armées, notre Père et notre Créateur, pendant cette journée de préparation du sabbat, nous te prions de nous mettre au bon endroit où lorsque tu seras entré de visiter tes affaires, pour leur donner la double bénédiction, que nous aussi nous soyons bénéficiaires, Seigneur. Tiens-nous par ta main puissante pour que nous soyons plus près de toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée de préparation du sabbat.